Bonjour à tous et bienvenue au cours de français. Alors, j'explique le devoir pour cette semaine. Vous allez prendre votre cahier à la page 134, exercice 7, et vous allez faire le travail tout seul. Donc, pas de travail à deux, mais le travail à une personne. Donc, vous êtes élève en terminale et responsable de l'organisation de la fête de fin d'année. Cherchez sur Internet des sociétés qui se situent dans le secteur de l'organisation d'événements et choisissez celles qui correspondent à vos exigences. Présentez ensuite les différents aspects de la fête que vous voulez organiser devant la classe. Expliquez chaque fois le choix que vous avez fait. Calculez ensuite le budget total nécessaire pour financer votre fête. Dus, ik hoop dat we in juni een eindejaarsfeest kunnen doen en daarom gaan jullie al wat opzoekingswerk doen in het Frans, in het Mechelse. Voilà, donc voici quelques termes clés qui peuvent vous aider lors de vos recherches. Animateur, animation musicale, catering, chapiteau, dat is een tenten, événement d'entreprise, fête d'entreprise, location, dat is verhuren, le chapiteau, louer, organisation d'événements, louer is verhuren, organisation d'événements, sonorisation, dat is DJ, et le traiteur. Vous notez le nom de votre école et également le nombre approximatif d'invités. Donc, combien d'élèves est-ce qu'il y a en sixième? Et vous faites un plus un. Et vous allez également noter le thème de votre fête de fin d'année. Vous pouvez choisir. Soyez créatif. Ensuite, vous allez chercher une salle ou bien une société qui loue des chapiteaux, par exemple. Et vous trouvez le nom, les possibilités, par exemple. Est-ce qu'il y a des vestiaires? Un jardin, un podium, des parkings, est-ce que c'est tout près d'un abribus? Et est-ce qu'il y a par exemple des équipements complémentaires comme le Wi-Fi? Vous allez contacter les sociétés par mail ou vous regardez sur Internet pour voir le budget et vous notez le budget. Ensuite, nous avons le traiteur. Vous choisissez un traiteur fictif, mais vous allez voir sur Internet un traiteur tout près. Vous me dites quelle réception et quel repas vous voulez, quelle formule est-ce que vous allez faire. Des petits amuse-bouches, Alien Hapius. Et est-ce qu'il y a un mobilier de réception qui est loué? Le mobilier de réception, ce sont des tables ou des chaises. Et est-ce qu'il y a d'autres services pour le traiteur? Pour l'animation de la soirée, vous me trouvez un DJ. Est-ce qu'il y a une sonorisation complète ou non? Est-ce qu'il y a un animateur? Est-ce qu'il y a des chanteurs qui viendraient? Quelles sont les formules? Ou est-ce que c'est plutôt de la musique live? Est-ce qu'il y a de l'éclairage, verlichting? Dus je zoekt eigenlijk op internet naar één mogelijkheid die haalbaar is voor het einde van het schooljaar. Et vous terminez par le budget total. Vous allez aussi mentionner le prix d'entrée, qui comprenne le repas, la fête et les boissons. Voilà! Bonne chance! Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail. De bedoeling is dus gewoon dat je echt wel informatie, een zaal zoekt, een traiteur, animatie voor een eindejaarsfeest. Dus je gaat op internet zoeken, je gaat natuurlijk zoeken naar bedrijven dicht bij het Mechelse of Antwerpen, een zaal ook dicht bij het school natuurlijk, omdat dat het gemakkelijkste is. Voilà, bonne chance!